International de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il est le premier responsable du ministère de la compassion des âmes et le maréchal de la brigade anti-sorcier. Ce matin, tu vas acclamer très fort Jésus de Nazareth. Amor, 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 amor
à toi, merci pour ta présence. We give all the glory. Merci de l'Éphèse bien. Thank you for doing this. Nous sommes au premier dimanche de l'année. The first for the year. Nous voulons te célébrer durant tout ton heure. To celebrate you. Tu es le Dieu et le roi. Before you are the Lord. Merci pour ta Saint-Église ce matin. Thank you for the presence. Nous bénis de par ta présence et de nous faire du bien. Blessing us for the presence. Nous te rendons toute la gloire. We give all the glory. Merci. Thank you. Tu utilises ma personne. You use myself. Tu parles à chacun d'entre nous. We talk to one another. Fais-nous du bien, s'il te plaît. Do us good, please. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Que je prie. I pray. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il a passé une bonne année. Amen. Dis juste à quelqu'un bonne, heureuse année. Alléluia. Que cette année nous apporte toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. L'occasion de communiquer un peu là-dessus. Have the opportunity to talk about it. Quand une nouvelle année c'est quoi? What a new year is? Qu'est-ce qu'il faudra faire? What do we have to do? Tout ça, ça sera l'objet de l'enseignement tout à l'heure. Et que chacun d'entre nous puisse prendre au sérieux l'année. Une année de plus, c'est une grâce. Et qu'elle vient bien pour moi. De tout ça, nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus. We have the opportunity to talk about it. Et veuillez vous asseoir. Et cette année sera une année glorieuse pour le ministère. This year will be glorious here for the ministry. Nous avons le temps de régler beaucoup de choses. Et ça a commencé. To regulate. Amen. Ça a déjà commencé en matière de technologie. Nous sommes en train de confectionner un site. Nous sommes en train de mettre un site en place. Yeah. Avec Un site internet en place, en même temps suivi d'une télé en ligne, une télé en ligne, ça sera prêt d'ici 3 semaines. Everything will be ready. Et en matière de rapidité, c'est-à-dire ceux qui doivent venir de l'extérieur, ils doivent faire des réservations au niveau sur internet, les mails, tout ça. Nous sommes en train de nous organiser pour qu'on puisse avoir plus de rapidité, que celui qui a envoyé SMS soit répondu, un mail soit répondu, donc le travail est en train de se faire. Nous sommes en train de travailler par rapport à l'international, et nous sommes en train de positionner, bien sûr, le ministère qu'on est sur le plan international, donc on a tous les outils en place pour avancer. Et j'en profite pour dire merci à Madame Naïm. Je tiens à dire thank you. C'est lui de mes filles. C'est lui qui nous a offert une grosse caméra. Elle vient des États-Unis. She's coming from the United States. Elle aussi, elle est actrice du cinéma. Elle a réalisé, elle était dans le film La Rue Princesse. C'est ça. Val Poussière. The movie. Val Poussière. Rue Princesse. Yes, avec Henri Dupac. Elle a tourné le film Henri Dupac. Elle aussi est réalisatrice du cinéma. Son mari aussi a eu une école de danse, la fête de Villaki, pour la culture. Elle est venue spécialement. Les gens disent qu'on ne va pas avoir mourir, donc je vais même fêter le 30e. Elle est venue spécialement pour ça. Vraiment, madame Naïm, je suis venue. Ça fait du bien de comprendre que les personnes de tout le monde nous portent dans le cœur. Et ça, j'apprécie un peu le travail que nous faisons. Elle n'est pas de cette région. Really appreciate. Mais elle m'a pris comme son père. Elle a fourni tous les moyens. Il faut dire que Dieu le soutient. De temps en temps, elle envoie de l'argent pour me soutenir. Dans le ministère. Donc elle s'est déplacée en personne pour venir, n'est-ce pas, assister à des cultes. Et vive la fin de l'année avec vous. Que Dieu te bénisse, qui bénisse ton mari. Elle m'a conté l'histoire. Elle dit c'est son mari qui me suivait d'abord. Et puis elle, ça n'intéresse pas. Son mari dit, viens, voici un monsieur. Il dit, non, cette histoire-là, dès qu'elle a touché la première vidéo, elle a cro, jusqu'à aujourd'hui. Elle a pu laisser, le vidéo jusqu'à aujourd'hui. Après qu'elle maîtrise tout le monde. And then now she mastered everybody. Ah ouais, là. J'ai souffert, elle est là. Is that we're here? Oui, elle dit qu'elle voulait vous voir. Ah ouais, là, tu vas la voir. Elle s'inquiétait pour elle, est-ce qu'elle est délivrée? Il y a des gens qui nous suivent, hein. Il y a des gens qui nous suivent. Bien, je souffre. Regardez. Voici Awa. Il a vu. There is Awa. Amen. Sa sœur est beaucoup gentille. Sa sœur, c'est Nadège. Elle s'appelle Nadège. Her name is beaucoup gentille. Elle est dans le 13e, je crois, dans le 14e à Paris. She's elle m'a reçu avec vraiment, sa sœur est beaucoup gentille. And very kind. Ici qu'elle est venue, c'est la sorcière. Elle a utilisé une bouteille d'une non-fonction. When she came here,
sur la maison de notre état, de folie et tout ça. Et il a fallu qu'on prie pour que Dieu fasse grâce. Now, ça va? Tu parles maintenant. Donne le micro. J'ai souffert. Mon papa m'a fait souffrir. Oh, Daniel! Ça va? Are you okay? Bonne année. Happy New Year. Thank you very much. Bonne heureuse année. Bonne année. Happy New Year, thank you. C'est ce qui est la fin de l'hiver. Bonne heureuse année. Happy New Year. Bonne année. Merci. Tu ne vas pas parler sans bouger. De collage. Amen. Amen. Voilà. Je pense que tu as laissé un peu de choukouya. Thank you. Sorcellerie, là, c'est fini. Stop therapy. Okay, hein? Wait for... T'as laissé. Tu as oublié de laisser. Du coup, là, c'est pour parler dedans. Tu as laissé. Et stop. Tu as laissé. Oui. Yes. Et ton papa? Papa, tu as parlé? Il m'a fait souffrir. Maintenant, il va plus te faire souffrir. Hein? Mon papa m'a fait souffrir. Ah, m'a souffri, oh! Mon papa, il me souffrait tout. Ça va, tu es délivré. Ici, nous délivrons les sorciers. Nous délivrons les sorciers. Nous les amenons dans le Seigneur. C'est ce qui est intéressant. Bon, maintenant, tu aimes Jésus. Now he loves us. Ok. Tu vas tout laisser. Oui. Tu vis à Dibo maintenant ici. Elle est où même? Je vous ai dit à Dibo. Elle vit où? Where do you live? Comment ça veut dire? Ça va, tu vis où? Where do you live? Carrefour, député. Attention. Ça grossit tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Voici le combat que nous menons. Nous délivrons les sorciers. Il faut dire que 2015 n'a pas été facile. Mais ça nous a apporté beaucoup d'expérience. Et moi, ça m'a fait grandir. C'est une année qui m'a apporté beaucoup d'expérience. Qui m'a amené à comprendre que ce n'est pas tous ceux qui nous fréquentent qui sont de tout cœur avec nous. Qui m'a amené à comprendre l'hypocrisie des hommes. Qui m'a amené à comprendre la stratégie de Satan à notre égard. The devil's strategy. Et qui m'a ouvert beaucoup des yeux. Et ça m'a fait grandir. Amen. Ça m'a fait beaucoup grandir. À point qu'aujourd'hui, j'ai eu un grand discernement. Oui, au départ, j'acceptais tout le monde. Je me disais que les gens étaient sincères comme je le suis, sont sincères comme moi. Ils sont toujours prêts à aider tout le monde. Ready to help. Mais c'est le contraire. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas tous ceux qui nous fréquentent. Ils sont de tout cœur avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons fait de ça une spécialité. Notre ministère combat la sorcellerie. Ça, à visage découvert. C'est pas caché. On dit cache pas ça, vous dites non, ta maman. Ça vous aide. Nous combattons la sorcellerie. Et nous libérons tous ceux qui tombent sous l'emprise de Satan et des sorciers. The power of the devil. Nous les délivrons. Et nous délivrons même les sorciers. And we en 2015, on a eu plus de délivrance, ça montait jusqu'à 3000 et beaucoup de personnes pour ça qu'on était délivrées. Il y a eu plus de délivrance en 2015. Il y a eu plus de délivrance. Mais en même temps, Dieu nous a fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. On a délivré. Nous sommes allés au cœur de la sorcellerie ivoirienne. Nous avons frappé dans le cœur de la sorcellerie ivoirienne. Ouais, le brutage, on a eu des gens ici qui étaient des bruteux qui sont venus ici pour se faire délivrer. Il a fait des aveux. Or, c'était l'un des plus grands bruteurs. Vous savez que les bruteurs ici en Côte d'Ivoire, ils font ce qu'on appelle les crimes rituels. Les crimes rituels. Et quand les dompteurs, qui est peut-être connu dans leur milieu,
est parti d'ici parce qu'il ne dormait pas. C'est ici qu'il a commencé à dormir, à délivrance. Et il est parti. Les mêmes bruteurs l'ont récupéré pour m'attaquer sur les dettes. And the hackers attacked me. Voilà, pour m'attaquer sur le net, on a fini par comprendre beaucoup de choses. J'ai été victime d'une agression avant que je ne parte en Europe. I have been victim of an aggression. Donc j'ai fini par comprendre qu'il faut faire attention à ceux qui te fréquentent. So we have to pay attention to people around. Donc ça m'a fait grandir. Et en même temps, le féticheur là, je vais plus parler de lui dans la semaine qui suit parce que je n'ai plus besoin de lui. Il veut me prendre pour faire sa publicité. Mais je lui dis, comment en 21e siècle, comment un homme peut nous conseiller aux gens d'aller tuer les cabris et les moutons? 21e siècle. Nous apportons la vie autour de nous. We bring in life around us. Et je ne comprends pas, nous sommes dans un pays de droit. We are in the country of rights. Et que j'ai même dit, ce monsieur-là, il a utilisé une chaîne de télé, Actu 22, non? On appelle la tube 225. Je leur rappelle, je dis, comment on peut utiliser vos chaînes de télé et puis faire des menaces de mort? Juridiquement parlant, vous méritez d'être convoqué devant la juridiction ivoirienne. Parce que les menaces de mort, c'est des peines de 15 à 10 ans d'emprisonnement. 10 ans, 15 ans d'emprisonnement. Quand quelqu'un dit, tu vas te tuer, when someone says, for example, la loi dit, il faut le condamner. This person parce qu'il verra la preuve. J'ai été victime d'une agression. Je vais même mourir. Je suis parti. But I went. Je suis en Europe, on me poste encore une vidéo pour rencontrer des salutations. J'attendais de voir, comme il dit, il tue les gens. So I'm waiting for him. Et puis vous acceptez que quelqu'un poste une vidéo qui dit il tue? Oh, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin des tueurs. Nous sommes des agents de développement. Quand je suis rentré à Zaroko, ce qui m'a intéressé, c'est de détruire. Ils avaient une forêt sacrée à l'entrée de Zaroko, vers l'école primaire, j'ai détruit ça. Ils adoraient des pierres à Zaroko, j'ai détruit tout ça. D'abord, le premier contact avec eux, c'est le premier élément, si vous voulez, détruire toute forme d'idolâtrie. Et nous allons commencer. C'est ce que j'ai fait d'abord, avant de commencer l'évangélisation de Zaroko, qui m'a envoyé une lettre d'invitation. Donc nous apportons la vie de Jésus-Christ partout où nous sommes d'ailleurs. Amen. Amen. Et on ne peut pas se mettre poster une vidéo contre une personne, contre le prophète Crasso, pour dire je l'ai tué, où il vivra en fin d'année. Ça, depuis l'Europe, ceux qui ont vu la vidéo, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est des gens qui vont m'appeler pour dire il faut qu'on le poursuive. Parce qu'il pousse trop loin ses pions. Non seulement tu as été agressé, mais il pousse encore deux vidéos. Il faut qu'on le poursuive. J'ai dit non, attendez. Et puis on va voir où ça va arriver. Je suis là, moi. Je vis très bien. Il ne me moigne pas. Il est toujours dans la ville. Je vous dis qu'il est toujours dans la ville de Divo. On a eu l'un de ses amis ici, qui nous a confirmé ça. Que à tous ceux qui veulent l'entendre, il dit, va tuer le prophète Crasso. Oui, il dit. Mais ils n'ont plus de clients. Amen. Amen. Ah oui, c'est pas ça. Ils n'ont plus de clients. Ils n'ont plus de clients. Nous serons les arbres pour le royaume de Dieu. Ils n'ont plus les clients. Ils n'ont plus les clients. Il faut chercher mes dieux. C'est toi qui m'as donné le sou de vie. Attaqué après les féticheurs là, j'ai fait ça au Togo. Deux fois sur la chaîne de Togolaise, je leur ai dit, il était avec moi sur le plateau de la télévision togolaise. Je ne suis pas la première action. Et ce féticheur a même dit. Quand il a parlé de la parisienne pasteur, il y a un pasteur de Bago qui l'a mis en prison. Parce que quand un féticheur dit dans la presse, j'ai détruit l'église de Dieu en parisienne pasteur, je suis déjà concerné par la chose. Donc je lui ai dit, il faut rectifier ça. Voilà. C'est pas un conflit, il faut rectifier ça. Parce que tu es un menteur. Tu es un menteur, ça veut dire quoi? Tu veux laisser discréditer sur l'église ivoirienne? C'est à cause de vous que les gens écoutent l'église. Sinon, depuis les élections, à cause de cette histoire de Malagie là, qui écoutait le prophète en Côte d'Ouest? Qui? C'est nous là pour repositionner l'église. C'est nous qui avons repositionné l'église. À cause de notre ministère. C'est nous qui avons repositionné l'église là où elle est aujourd'hui. Ça va de nous. Et depuis 2009, j'ai été interdit à la télé. I have been forbidden. Voici le président Sékou. À cause du fait que je parle de la sorcellerie. Because of witchcraft. Ils m'ont posé la question une fois sur le plateau de télé. They asked me that question. Tu es prophète comment? How are you prophet? Je continue mon histoire. And I
Je suis prophète parce que Dieu m'a dit, voici ça, voici ça. Il dit, mais ce n'est pas des preuves. Il faut démontrer l'obéissance. D'abord, pour ici, la télé, il y a un patron qui a enterré un avorton. J'allais définir ça, même la caméra. J'ai vu générique, générique. Je vois le patron sorti. Il dit, tu viens de dire quoi? Il dit, mais j'ai répondu à une question. Il m'a posé une question. Il veut des preuves. C'est lui qui m'a provoqué. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il m'a demandé quelles sont les preuves. Et les preuves même sont la télévision ici. Il a bébé, enterré. J'ai crevé, j'en ai vu, vous allez voir. Il appelle son animateur. Il dit, je ne veux plus voir ce monsieur-là. Et dit, on met sur le conducteur, on met le prophète Rasso. Pas le prophète Rasso. J'ai un Ben David qui a décidé de nous programmer, lui et moi, en 2009. En décembre, on a fait la première édition de 2h30 sur la 2, ça se lève en fin d'année. Quand on a fait une émission, on a levé Soum Saint Félix, aujourd'hui on se voit la télé, on est content, on parle. Soum Saint Félix me programme Matin Bonheur pour parler de la chose. Ils l'ont enlevé à Matin Bonheur. Et même avec Soum Saint Félix, le même problème. Il a souffert, le voici. Il a souffert. Il a trop souffert. Mais lui, il sait. J'étais perdu. Entends ce voix de voyou là. Il était consultant de la télévision ivoirienne. Aziz Karan était consultant de la télé. Il passait de premier, de lundi jusqu'à vendredi. Consultant de télévision from Monday. Et moi, on m'interdisait de parler and de la sorcellerie. To talk about witchcraft. J'ai une histoire. I had a story. Des combats qu'on a menés, des combats qu'on a menés, des combats qu'on a menés. Aujourd'hui, je suis consultant de la télé. C'est pas une bénédiction. Amen. On m'appelle maintenant, dit tu es consultant. J'ai fini ma dernière émission. On dit tous les consultants de la télé, venez. Mais comme toi, il faut te mettre dans la peau de champ. Je me suis mis dans la peau de champ. Tous les consultants devaient passer en fin d'année. Quand j'ai fait ma dernière télé, après que la dernière fois, c'est le plateau de Matin Bonheur. Broadcasting for the first time. C'est une victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'aide de la sensibilisation. Quand j'ai un fléau, il faut communiquer pour sensibiliser les gens. Au départ, les gens ne savaient pas où se faire délivrer. Donc, c'était grave dans les maisons, dans les familles, c'est grave. Les sorciers mangeaient tout. Sauce arachide, sauce claire, sauce gimblée. Voilà là. Tigliti, graines. Les sorciers mangeaient. Il y avait des tueries, des tueries. Depuis qu'on a commencé à parler de ça, les gens commençaient. Pourquoi aujourd'hui, quand j'arrive en France, la salle est remplie? Parce que les gens se retrouvent dedans. Depuis que j'ai commencé à communiquer là-dessus, depuis que je suis arrivé en France, l'église de France a rebondi. Les gens commençaient à reprendre foi, ils ont commencé à aller à l'église. Parce qu'en France, il y avait une autre manière de communiquer sur la sorcellerie. Eux, ils viennent dedans la révélation pour dire, ta maman va te tuer, va pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le même prophète ou le pasteur qui vient de dire, tu peux aller en Côte d'Ivoire, mais faire une semaine. Ça veut dire qu'ils décident. Mais ne salue pas telle personne. C'est nous qui avons commencé à ouvrir les yeux des gens pour dire, où vous êtes en France, sorcier, vous allez vous manger. Où vous êtes en New York, sorcier, vous allez vous manger. Voici, comment on doit lutter contre la sorcellerie. C'est depuis ce temps-là, les gens commençaient à voir, même à l'église, les gens n'étaient pas à l'abri de la sorcellerie. Parce que les pasteurs et les hommes de Dieu ne les rassuraient pas. C'est pour ça que ce ministère a eu du succès. Parce que notre problème, c'est la sorcellerie. That's why this ministry is successful. Because c'est la sorcellerie. Et on a commencé à éclairer les gens. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, nos collègues pasteurs parlent de sorcellerie à la télévision, aujourd'hui ils parlent. Or, on n'est pas venu faire croisade, vous serez bénis. C'est moi qui leur ai dit, si vous ne touchez pas la sorcellerie dans vos chiens, si les chefs de télé, vous êtes des agents de Satan. Qui bloque à faire de l'argent, c'est pas sorcellerie. Qui bloque à faire des mariages, c'est sorcellerie. Qui bloque les gens, c'est sorcellerie. Pourquoi vous avez peur de ça? Dites aux gens que c'est la sorcellerie, vous avez peur de quoi? Ils ont commencé à améliorer leur langage. Aujourd'hui, ils disent qu'ils attrapent sorcier aussi. Aujourd'hui, mais Dieu merci. Aujourd'hui, on combat sorcellerie dans les réunions. Mais Dieu merci, c'est une victoire.
Donc nous sommes à l'aide de la communication. We're communicating. Il faut dire aux gens, c'est pas bon. You have to tell the people that. Et que même si on est victime, on peut être délivré. We are victims, que la sorcellerie. From witchcraft. Amen. On peut être délivré. Même le sorcier. Even sorcerers. Peut être délivré de la sorcellerie. Voici la communication. Donc il fallait utiliser tous les outils de communication. On n'est pas sur Internet, vous savez ça. L'Internet, les PD utilisent Internet, les francs-maçons utilisent Internet, les rosicruciers, c'est un outil puissant en matière de communication. Pourquoi il ne peut pas y avoir des bonnes choses sur Internet? Donc on a fini par communiquer sur Internet et ça a aidé nos frères de la diaspora. J'aimais leur bien leur famille, mais encore la société de la vie de l'Afrique. Ils aiment ça. Donc sur cela, nous sommes des agents de développement. Nous motivons les gens à revenir sur le continent africain. Et dans contact avec leur famille et leur région. Comment où les gens disent, n'allez pas au village, nous exhortons les gens à aller au village. Écoutez très bien nos langages, c'est ça, écoutez bien. Nos communications sur Internet ou bien partout nos messages. Nous disons aux gens qu'il y a un plus fort que la sorcellerie, c'est Jésus. The most powerful Amen. Il y a plus fort que la sorcellerie, c'est Jésus. Jesus Christ. Et nous motivons les gens à arrêter cette pratique. We motivating people. Oui, parce qu'ils sont en deuil pour la famille. Et nos braves valets sont en train de mourir. Quels sont ceux qui vont développer aujourd'hui? Personne. Et c'est ce qu'il a dit aux gens. Regardez, avant Crasso. Before. C'est ça le bilan. Or, nous autres, nous ne sommes pas faits. Nous avons bien critiqué. Mais le bilan, on ne sait pas. Avant que le prophète Crasso n'arrive à Zaro, comment était Zaro? Je leur ai dit ça dans le verset. Il n'y avait pas d'eau. On prenait l'eau de Marie pour se laver. Moi-même, je suis lavé, j'ai égal. Pendant 3 mois, il y a bouton sur moi. C'est la vérité. Or, l'eau, on boit ça. Ah. Or, là où il n'y a pas d'eau potable, il y a toutes sortes de maladies. And the place where there is no tap water. Une fois le problème de l'eau est résolu dans un village, les maladies, certaines maladies disparaissent du village. Et il fallait combattre, c'est notre combat. And we're about to fight. Ils ont construit pour partir à Zaroku. Il y a eu 2 châteaux avant moi construits. Les sorciers ont grillé ça. Ils ont fait tomber ça. Mais rien, pendant Crasso, ils ont dit, qui va venir dire, il va venir bloquer l'eau? Qui? Il y a qui? J'étais là-bas quand on a creusé le premier forage. C'est moi devant. Je suis venu voir l'eau sortir de terre. 2 semaines avant, je leur ai dit, vous avez de l'eau potable ici. 2 semaines. Ce n'est pas des montages. C'est ce que les gens ne savent pas. Regardez. That's what people do not know. Dans la semaine qui suit, la société minière décide de venir faire de l'eau à Zaroko. Ils ont creusé. C'est devant moi, c'est passé. The mining company parce que c'est vrai. To come and take water. Aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. Ils ont la route qui est sortie, qui a traversé le village, et les choses ont commencé à aller à Zaroko. Donc, vous savez, l'esprit critique, avant Crasso, il y a eu quoi? Il n'y avait rien, il n'y a pas d'eau potable. All the people have before Crasso, nothing. Et pendant notre ministère, and during our ministry, c'est la victoire de Dieu. Les gens mouraient dans le village. People were dying in the village. Les gens avaient peur de venir au village. They're afraid to go. Même les enfants avaient peur. Even the kids. Ma première action, c'était d'organiser une fête de Noël. Action was to organize de football, Christmas celebration, sensibiliser les jeunes à aimer le village. To sensitize the kids so that we on allait dans le village, on sensibilisait les jeunes à aimer le village. Parce que c'est ça. On n'a que notre village. Abidjan n'est pas chez toi. Si tu n'es pas venu au village, comment tu vas encourager ton fils de venir? How can you encourage? Donc voici le combat qu'il va mener dans la région. Pour faire asseoir Dieu et faire disparaître la peur. Donc la peur a disparu. On parle des Zaroko, on est content. We're talking about Zaroko. Mais avant qu'on parle du village, on avait peur. Donc on a commencé à travailler. À point qu'on a commencé aussi à faire une sensibilisation. And we were sensitizing people. Et les parents. Vous dites, vous voulez les cadres, non? Les enfants, vous voyez là. The kids here. Et donc ceux qui seront demain les cadres. Will be the VIPs tomorrow. Donc on a commencé à faire le travail. Parce que le papa, il se dit, il va mettre un enfant à l'école. Because the family il va payer ses fournitures scolaires. Son de school. Il va avoir quoi? And pay for his school fees. Il n'a qu'à se débrouiller. What can he have in the village? J'étais au village quand on a renvoyé beaucoup d'élèves. I was in the village. Pour 3 000. When some kids have been expelled from school. Si vous ne pouvez pas vous prendre, restez à la noire au champ. Parce que la philosophie. Non, on a dit non. Pour 3 000. Pour 300,000. J'ai oublié moi-même de régler sur place la chose. J'ai réglé ça. Parce que nous avons une vision. C'est de créer des cadres. Or, c'est l'école qui produit des cadres.
C'est pour ça qu'en fin d'année, au début d'année, nous offrons des kits scolaires aux élèves. Nous avons fait ça dans le temps. Parce que le travail, il y a un suivi. Nous sommes dans une région où on suit le travail. La rue de Vidocco, c'était carrément un lac. J'ai su notre présence que Jésus a réglé ça. C'est parce que les gens sont ingrats.